Bonjour, je m'appelle Jessie et je livre les repas aux personnes âgées dans la ville de Biganos. Donc je récupère. Ça va aller, vous prenez le temps. Et puis... j'espère, oui. Ils me sont présents pour les personnes qui en ont besoin. Ils me connaissent, ils ont confiance et ils sont contents du service que l'on propose. On a eu des formations pour gérer les personnes âgées, voir comment communiquer avec eux et aussi pour le frigo, enfin se servir de la voiture réfrigérée et bien entretenir les repas pour qu'ils restent à une température entre 0 et 5 degrés. C'est très important pour que les bénéficiaires puissent manger correctement. Oh ben, le repas de tous les jours, ça m'importe que automatiquement on n'a pas de cuisine à faire. C'est toujours à l'heure, c'est bien. Si, il faudrait continuer comme ça. Oui, il faut que ça continue. Bon, passez un bon week-end et puis on se dit à lundi maintenant. Ben, merci vous aussi. Allez, au revoir. Bon week-end. Et en fin de journée, grâce à mon téléphone, j'envoie tout ce que j'ai enregistré, si tout s'est passé bien chez le client, s'il a rencontré un problème. Et tout ça s'envoie au CCAS et s'il y a un souci, ils peuvent contacter la famille dès qu'il y a un problème. Quand je suis absente, mes collègues ont été formés pour pouvoir me remplacer et suivre les repas. Le fait que ce soit la poste qui livre les repas, c'est encore un bien supplémentaire pour les bénéficiaires car ils ont confiance à la poste, ils nous voient tous les jours et ils sont contents de notre passage.